Alors, ouvrez à Zouzi, bonjour. Faire une demande de logement social serait-il considéré comme devenir une charge déraisonnable pour l'État belge, d'où risque de faire perdre sa carte F au conjoint de Belge? Non. La demande de logement social, ce n'est pas considéré comme une charge déraisonnable pour l'État belge. La charge déraisonnable pour l'État belge, c'est le CPAS. Considérer que c'est la CPAS ou la GRAPA pour les personnes âgées. Mais ce n'est pas, le fait de bénéficier de devenir une charge déraisonnable pour l'État belge. D'ailleurs, le regroupement familial peut très bien avoir lieu quand le conjoint belge est hébergé dans un logement social. Donc, on peut très bien avoir quelqu'un qui est belge, mais qui habite dans un logement social, qui se marie au Maroc, et puis le mari marocain demande à venir rejoindre en Belgique. Il faut prouver un logement décent. On peut très bien prouver qu'on a un logement social comme logement décent, et le visa sera accordé. Donc, ça n'est jamais considéré comme être une charge déraisonnable par rapport au système de sécurité royale du Royaume. Donc ça, c'est vraiment le fait seulement d'aller au CPAS qui joue dans ce cas-là. On touche aux revenus, mais ça se concerne les revenus, mais ça ne concerne pas le contrat de bail lui-même.